Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, deuxième tuto, je vais vous apprendre à remplacer votre amortisseur sur votre VTT. Alors pour cela, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il nous faut? Vous allez me dire. C'est très très simple. Suivez-moi. Donc voilà, là, je possède sur mon Giant, en l'occurrence, un amortisseur Rockshore Monarch qui est très bien, qui fait son travail, mais qui me semble pas satisfaisant à mon goût. Donc je vais devoir supprimer cet amortisseur, c'est-à-dire l'enlever, pour pouvoir en mettre un autre. Alors, très simple. Il vous suffit de dévisser cette partie basse, cette partie haute. Pour cela, très simple, il vous faut pour la partie basse une clé BTR de 8, donc gros diamètre. Et de l'autre côté, une clé plate de 20. Pour la partie basse, il vous faut une clé BTR de 5 et une clé plate de 13. Et c'est tout. Et vos bras. Donc, nous allons remplacer cet amortisseur par une version plus haut de gamme, toujours chez RockShox, un Monarch RT3. Donc, pour ce faire, vous verrez pourquoi j'ai enlevé l'autocollant qui se trouve tout autour. Vous verrez par la suite, tout à l'heure, pourquoi. Donc, avant de changer son amortisseur, il est très important de savoir de quelle course il dispose. Pour ce faire, vous trouverez de l'autre côté de l'amortisseur, en bas, voilà, sa course totale, qui est de 200 par 51. C'est très facile, c'est marqué dessus, pour celui-ci. Sinon, il faut mesurer. Donc, j'achète simplement un amortisseur qui correspond à mes besoins, où on voit bien là 200 par 51. Voilà. Donc, nous allons commencer à démonter notre amortisseur d'origine pour pouvoir monter notre amortisseur. Voilà, vous voyez, il y a deux gelures de chaque côté, deux bagues de maintien de l'amortisseur. Évidemment que je vais faire ça sans enlever. Voilà, donc là je retire mon amortisseur complet que je vais poser là. Et bien sûr, je récupère mes deux petites bagues pour remettre l'amortisseur. En même temps, vous pourrez nettoyer ce petit coin. Alors chez Dyan, c'est vrai que ça a tendance, s'il pleut fort ou quand vous le lavez, vous risquez d'avoir de l'eau qui se met dedans. Faut bien nettoyer. Bon, voilà. Après, bon, vous voyez, quelques éclats de peinture, mais bon. Voilà. Maintenant que vous avez démonté votre amortisseur, voilà, super. On va prendre l'autre. Alors, il faut savoir une chose. Il faut savoir que dessus, amortisseur, normalement, si vous regardez celui d'origine, vous voyez que là, il n'y a pas de buselure. Alors une buselure, qu'est-ce que c'est? C'est ceci. Une petite bague qui vient normalement se rentrer dedans. Alors, sur le Giant, il faut savoir qu'elle n'y est pas. Le problème, c'est que quand vous achetez un amortisseur, il est vendu avec la bague, avec la buselure intégrée. Alors le problème, c'est que pour sortir cette buselure-là, il vous faut un outil spécial, un extracteur de buselure. Moi je n'en avais pas, donc j'étais bien surpris. Heureusement, j'ai pu me faire dépanner avec un collègue qui tient une boutique qui a pu me l'enlever voilà, avec un outil spécial. Donc, un outil qui est très rare hein, parce qu'on ne démonte pas son amortisseur tout le temps et surtout qu'on ne change pas tout le temps. Voilà. Bref, il faut absolument enlever cette pièce, sinon vous ne pourrez pas le remettre, évidemment. Voilà, maintenant il est libre, tout va bien. En haut, pareil, même système, buselure. Alors, sur celui d'origine, vous avez dans les buselures, vous voyez, il y a ces deux bagues qui sont déjà intégrées. Donc, il faut que vous les récupériez, évidemment. Alors, pour ce faire, il existe plusieurs méthodes. Donc, première méthode, très simple.
si vous n'avez pas l'extracteur, le feutre. Hop, vous mettez ça là-dedans. Et vous allez taper un petit coup de marteau dessus, un petit coup de maillet. Elle va commencer à arriver. Alors l'idée, c'est de se mettre sur le bord. Je sais pas si vous avez vu. Ok, ça fait du bruit. Mais j'ai pu libérer mon amortisseur. Ça, ça coûte zéro. Tout le monde a un feu de chez soi. J'espère. Sinon, autre moyen, vous avez un outil spécifique. Qui était un extracteur de bijoux aussi. Mais j'ai essayé de sortir celle-là qui était fixée dedans. C'était impossible si vous n'avez pas un autre extracteur que celui-là. Bref, voilà. Mon amortisseur, je peux le ranger. Je n'ai plus besoin. Je peux m'attaquer au nouveau. Le nouveau, pareil, il va falloir rentrer ça là-dedans. Hop. On va enfoncer avec les doigts. On doit rentrer. Sinon, vous l'aiderez avec un autre outil. Je reprends mon ami de feutre. Et cette fois, je tape à l'envers. On va le rentrer. Donc, je vous remontre. Donc, je dois rentrer ceci là-dedans avec son ami. Voilà. On va le rentrer un peu plus comme ceci. Et voilà, là il est installé. Pour le réinstaller, rien de plus simple, on suit le procédé inverse. Voilà, là on va attendre un peu, car comme je vous ai dit, le corps est noir, nous allons lui poser un autocollant que j'ai fait sur mesure, c'est-à-dire que j'ai repris la typo exacte de l'amortisseur RockShox et je l'ai changé de couleur pour la sortir à la couleur du vélo, c'est-à-dire rouge. Je collerai ça tout à l'heure et je vous retrouve tout à l'heure pour finir l'installation. Donc re-salut, nous revoilà donc dans la cave. Comme je vous disais tout à l'heure, j'avais au préalable enlevé l'autocollant de l'amortisseur RT3. Le voilà, origine. Je l'ai décollé au sèche-cheveux bien sûr, il est venu bien. J'ai pu le coller sur une feuille blanche, le scanner sur mon scan, le retravailler via Photoshop pour en faire un autre autocollant. Alors au final, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on arrive à avoir ceci. Voilà. Même taille. Voilà. Il n'y a que la couleur qui change. Un peu le lettrage ici que j'ai changé. Le logo de SRAM que j'ai mis Power by SRAM un peu plus gros. Voilà. Donc ça, ça a été fait. Je remercie par ailleurs l'atelier majuscule sur Perpignan qui m'a fait ça très rapidement. Voilà. J'ai été un peu chiant avec eux. C'est vrai. Donc du coup il m'en a même fait deux et voilà, donc je les remercie pour ça parce qu'ils ont été très réactifs. Ça me permet de remonter l'amortisseur assez rapidement et de ne pas attendre un délai conséquent, car il y a beaucoup de travail dans ce domaine là et il a pu me passer ça entre deux clients sur des chutes qu'il avait, donc je le remercie pour ça. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à le coller comme il était au début. Voilà.
passer vos bagues dedans. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et ensuite, vous y rentrez le corps dans l'amortisseur. Voilà. Pour le plus gros, c'est fait. Je vais pouvoir revisser de l'autre côté. Et en voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on va procéder à celui d'en haut. Alors, celui d'en haut, c'est pareil. Donc, c'est de mettre un peu en place. C'est de mettre la petite bague qui est là. Voilà, qu'est-ce qu'on essaie là. Alors, pour le mettre, là, ça va être facile. Vous allez lever votre voie d'amortisseur. Vous le descendez un peu comme ça. Vous allez y coller ça dedans. Voilà, lui, il était positionné plutôt comme ça. Tac. Et voilà. Tout simple. Donc, rebonjour. Donc, je vais vous faire un petit tuto sur le réglage d'un amortisseur comme en Arkar T3. C'est très simple. Il vous faut vous fournir de cette pompe d'amortisseur RockShox qui est livrée avec l'amortisseur. Au préalable, vous avez ouvert votre amortisseur avec cette petite bonbonne complètement ouverte. Nous allons nous placer sur le corps de l'amortisseur. Voilà, si vous voyez trop. Voilà. Nous allons insérer la pompe. Nous allons voir, voilà, que effectivement, il n'est pas rempli du tout. Alors, sur ce genre d'amortisseur-là, qui est plus haut de gamme que celui d'origine, on peut monter jusqu'à 350 PSI maxi. Donc, ce qui est pas mal, ce qui est énorme, nous permettra quand même d'avoir un réglage optimum. Alors, pour info, par rapport donc à l'amortisseur d'origine, donc sur le Monarch, vous pouvez voir que donc là on est limité, voilà, 275 PSI. Donc on a quand même une augmentation d'air assez importante sur le high volume. Nous pouvons voir aussi que nous sommes limités à 10, 20, 30%, alors que sur le nouveau nous montons quand même jusqu'à 40%. Donc, quand même, on a de quoi faire en réglage. Donc nous allons gonfler notre ami. On va défaire ça. On va tester comme ça. Alors, pour faire un réglage de ça, qu'est-ce qu'il faut? C'est très simple. Il faut que vous soyez habillé exactement comme quand vous allez faire du VTT. Donc, sac rempli, etc. Donc, après vous être équipé comme si vous alliez faire du vélo. Donc là, je suis resté en jean. J'ai rempli un sac, rempli à peu près du même poids. J'ai mis mon casque, voilà. Je vais pouvoir mettre ma petite bague rouge que vous voyez à l'amortisseur ici, la remonter complètement en position verte et je vais monter délicatement sur le vélo. Donc voilà, il faut savoir que le sac c'est la valeur d'enfoncement sous le poids du pilote, l'affaissement sous le poids du pilote. Donc là, voilà, je vais lâcher, je vais me mettre dessus. Voilà, c'est comme ça, et je redescends délicatement, sans à-coup. Voilà, et maintenant je vais vérifier pour mon sac pour voir combien je suis. Vous voyez, il n'y a pas assez d'air. Je suis à 40%, donc c'est ultra confort, super pour les gros enduros, mais... pour ce que je vais faire un peu de la montagne, c'est un peu trop. Je vais gonfler pour que ma bague arrive à 30. Donc là, j'étais à 200 PSI. Je vais monter un peu plus. On va faire.
à 260 PSI, je suis pile à 30%. C'est nickel. Voilà, réglage fait. Donc ensuite, une fois que vous avez fait votre sag, il vous reste à régler quelque chose sur l'amortisseur. Alors sur le RT3, vous avez trois positions. Donc vous avez le mode pro pédale, comme chez Fox, donc pédalage qui va à peu près pour tout. Vous avez ensuite le mode, on le voit là, si je tourne, tac, mode ouvert. Donc là vous êtes en descente. Donc là, bon, comme son nom l'indique, hein, descente, donc tout ce qui est bien chaotique, vous mettez sur ça, donc l'amortisseur va travailler un peu mieux. Ensuite, vous avez le mode bloqué qui se trouve dans l'autre position, après le propédale, voilà, qui est en haut. Là, vous avez bloqué, entre guillemets, votre amortisseur, ce qui vous permet, voilà, sur le plat ou sur des grosses montées, de pouvoir avoir tout ce qu'il faut sur la suspension sans qu'elle s'affaisse trop. Hein. Voilà, donc là, on va le remettre sur pédale, voilà. Ensuite, vous avez, je ne sais pas si vous voyez là, un mode qui s'appelle le rebond, donc qui est comme sur la fourche Pike et comme sur chez Fox aussi. Le mode rebond va vous régler, si vous voulez, la vitesse à laquelle l'amortisseur va remonter. Chez RockShox, c'est facile, vous avez un mode tortue, un mode de lapin, donc lièvre ou tortue, voilà. Réglable sur 10 positions, donc au début, comme là je n'ai pas encore en main l'amortisseur, vous allez entendre, il y a des crans, je ne sais pas si vous entendez. Voilà, donc on va compter 5 rangs, donc à partir de 0, 2, 3, 4, 5, voilà, là vous êtes au milieu. Alors, autre facilité aussi, il y a un petit bitonio dessus, là, sur la molette qui vous indique que vous êtes au milieu, hein. Voilà, c'est très très facile en réglage, hein. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous dépanner, vous apprendre quelques petits trucs ou pas. Pour certains, voilà. Sinon, changer son amortisseur, ça reste quand même assez simple. Et bon, voilà, sans passer sur moi à faire une déco, peut-être perso, voilà, on peut facilement se faire un bike un peu plus joli. Voilà, donc à bientôt pour de nouveaux tutos. Voilà, dans la bike cave. Allez, au revoir.